Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien, c'est Anis. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo qui je pense sera courte, je vais répondre à une question qu'on nous a posée sur les réseaux. C'est pourquoi vais-je acheter une formation de breakdance en ligne si j'ai déjà des vidéos gratuites sur YouTube. Alors avant toute chose, comme d'habitude pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anis, j'ai 19 ans, je danse depuis maintenant 7 ans. Et il y a quelques mois, mon frère, mon cousin et moi-même avons lancé notre site de formation de breakdance en ligne. Donc pour revenir à la question de base, c'est vrai que cette question, on se l'est posée nous-mêmes en créant cette formation. Pourquoi les gens vont venir acheter une formation alors que nous-mêmes, des fois, on regarde des tutoriels gratuits sur YouTube? Et donc, il y a plusieurs réponses à ça. Donc certes, il y a des vidéos de très bonne qualité qui vont bien vous apprendre les mouvements, qui vont prendre le temps. Et en même temps, à côté, vous allez peut-être avoir une vidéo complètement merdique où il y a un mec qui n'a jamais appris à personne, qui va vous donner une vidéo, vous allez suivre ses conseils, vous allez prendre des mauvais réflexes et après, plus vous allez évoluer dans la danse, plus vous allez voir que les mauvais réflexes pris au départ sont vraiment dur à corriger par la suite. La deuxième raison qui m'est venue à l'esprit est le temps. Cette vidéo est un gain de temps, évidemment. Vous pourriez également aller dans n'importe quelle salle, au 104, au carreau du temps ou à la place, demander à tous les danseurs que vous croisez de vous apprendre tel ou tel mouvement. Certains accepteront avec plaisir, d'autres refuseront, mais c'est sûr que au bout d'un moment, vous trouverez un professeur et vous y arriverez. Cependant, cela va vous demander énormément de temps, alors qu'avec une autre formation, vous êtes immédiatement informé sur ce qu'il faut faire pour réaliser tel ou tel mouvement. La troisième raison qui m'est venue à l'esprit est l'ordre. Pour l'illustrer, je vais vous donner un exemple tout bête. Quelqu'un qui tombe sur un tutoriel de gris sur YouTube. Sauf que si dans le tutoriel sur la gris, il n'est pas précisé que pour réaliser gris, il faut avoir Thomas, envolé, vol et départ américain. Comment fait cette personne? Notre formation a été pensée, a été réfléchie, a été testée sur des élèves de sorte à ce que l'ordre convienne à un maximum de personnes. En effet, c'est dur de réaliser une coupole si vous n'avez jamais été en contact avec le sol, que vous ne connaissez pas vos réflexes et que vous n'avez pas de facilité. Cependant, si vous avez des bases comme tracks, backspin et six steps, il devient maintenant plus facile et plus abordable de réaliser une coupole. En résumé, les trois raisons qui vous encouragent à acheter notre formation plutôt qu'à regarder des vidéos YouTube sont un gain de temps, un gain d'énergie et la fiabilité de notre formation qui a déjà été testée par des dizaines d'élèves. J'espère que cette vidéo aura répondu à votre question. N'hésite pas à t'abonner, tu peux également like, commenter et partager cette vidéo. N'oublie pas de laisser ton mail dans le lien dans la description. Ça nous permettra de te tenir au courant de toutes les actualités BoxID sur YouTube et sur nos réseaux sociaux. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Like I'm still jacking, I be sipping on lean, trying to keep balance. Take that Z-Walk, dicky with my Reebok.